acclamation à Jésus. Nous allons réviser We are going to revise deux leçons très importantes. Two main very important lessons. Le travail dans le cadre des activités de l'académie The work in the framework of a university nous ont ouvert les yeux sur la nécessité de redire les mêmes choses. Has opened our eyes on the necessity to take again some things. Cela permettra qu'il y ait beaucoup de victoires. Which will allow us to have many victories. Qu'est-ce que le brisement des liens? What is the breaking of evil ties? Que vise le brisement des liens? What does it target? Le brisement des liens. The breaking of ties. Est une prière de délivrance. Is a prayer of deliverance. Je dirais même un programme de délivrance. I will even say a program of deliverance. Un programme pour désenfouter les hommes. A program to disenchant men. Donc, c'est un programme de prière orienté essentiellement vers la destruction des œuvres du diable. So it's a program of prayer mainly orientated toward the destruction of the devil. Le brisement des liens vise la destruction des œuvres de Satan dans la vie d'un homme. The destruction of the works of Satan in the lives of a man. Les œuvres de la sorcellerie. The works of witchcraft. Parce que la sorcellerie. Because witchcraft. Est une communauté de personnes. It's a fellowship. De sorciers. It's a fellowship of people. Qui travaillent avec l'aide des esprits de mort. Witches who works. With the help of the spirit of death, et ils sont au service du diable qui est la tête. And they are at the service of the devil and the beast. Quand vous êtes opprimé, quand vous êtes oppressé dans les songes, when you are oppressed in your dreams, vous verrez que ce sont les individus. You can see that there are individuals. Parfois même, vous êtes choqué que ce soit votre père ou votre mère. Sometimes you are shocked. You are moved by the fact that it can be your father or your mom. Il y a une dame. Dans un pays, there is a lady in the country. Qui était oppressée. She was oppressed. Elle passait des temps difficiles. She was going through hardships. Et quelqu'un lui a remis le livre, le brisement des liens. And someone handed to her the breaking of evil ties, the book. Dès qu'elle a lu le livre, as soon as she read it, et qu'elle a compris un peu, and she understood a while, dans une vision. In a vision, c'est son père qui se présente. It's a father who came. Elle était choquée. She was moved. Donc quand on dit les sorciers. So when we say witches, ce sont des frères et sœurs, des oncles, des tantes, brothers, ton père, uncles, ta mère, aunts, your father and your mother. L'homme aura pour ennemi man will les have as enemy gens de sa maison. People of his own house. Quand on t'a envoûté, when you have been bewitched, ne pense pas que c'est un Chinois. Do not believe that it's a Chinese. Il qui ne te connaît même pas. Who does not know you? C'est quelqu'un qui t'a vu. It's someone who have seen you. Soit quand ta mère était enceinte de toi. Maybe while when your mother was pregnant of you. Ou bien quand tu étais né. Where you were born. Ils ont discerné que tu étais une bénédiction. And they noticed that you are a blessing. On voulait peut-être frustrer tes parents. Maybe they wanted to frustrate your parents. On t'a dépouillé spirituellement. You have been deprived spiritually. Chaque homme, every man, vient dans le monde, comes in the world, étant béni, being blessed. Et ce qui arrive, and what happens, c'est qu'il y a des hommes méchants, is that there are wicked people, qui ont la capacité de voler les biens. Who have the ability to steal your goods? Voler les richesses. To steal your riches. De voler les bénédictions. To steal your blessings. Vous avez déjà entendu
l'expression on a volé l'étoile de quelqu'un. You have already heard about the fact of saying that someone wanted to steal the star of someone else. Donc, c'est-à-dire que des gens qui témoignent que cet homme souffre parce qu'on a volé son étoile. It means that people who give a testimony that this one is suffering because we have robbed his star from him. Donc, Dieu nous a révélé. So God has revealed to us que on livre les gens that people are handed over à travers les liens entre les hommes. Through the ties between men. En rapport avec les esprits des ténèbres. In coalition with the spirit of death. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Quelqu'un veut devenir riche. Someone wants to get rich. On lui dit donne un sacrifice. He is asked to give a sacrifice. Si tu donnes un être humain, ça sera encore merveilleux. If you give a human being, it will be very marvelous. Tu seras très riche même. You will be very rich. Et donne son père ou sa mère. And he hand over his father or his mother. Donc il exploite le lien de filiation pour offrir un sacrifice. So he is exploiting the link of family to reach his goal. Il y a quelque chose qui te lie à cet homme. There is something which binds you to this person. Qui fait que son esprit domine sur toi. Which makes that his spirit rules on you. Parce que la famille a chassé Dieu. Because the family has casted out God. Et la famille a commencé à vivre sans Dieu. And has started living without God. Et le seul lien qui les garde maintenant, c'est l'esprit du mal. And the only link which binds them together is the spirit of wickedness. C'est la volonté, of evil. C'est le désir de dominer sur les autres, le moi. Is the desire to rule upon each other, the self, the ego. Prends Ephésiens chapitre 2. Let's take Ephesians chapter 12. Disons du verset 1 au verset 3. Let's read verse 11 to 12. Vous étiez mort par vos offenses. Vous écoutez bien. Vous étiez mort par vos offenses. You were dead because of your offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. And because of your sins. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. In which you were living in the past. La pratique du péché. The fact of committed sin. Fait d'un individu un cadavre, un mort. Make a man a dead. Il est vivant physiquement, on le voit. He is physically living, mais you can see. Spirituellement, il est mort. But spiritually, he is dead. Il n'a pas de vie. He has no life. On peut le saisir comme un animal. On l'attache. He can be caught like an animal. Il n'a pas de défense. He has no defense. Le péché l'a tué. Sin has killed him. Si Dieu a dit à Adam, si tu pèches, tu vas mourir. God told Adam, if you commit sin, you will die. Dit, selon le train de ce monde. Et les gens marchent selon le train de ce monde. And people walk according to the ways of this world. Chacun fait comme il voit les autres faire. Tu vois Everyone les gens fumer, tu commences à fumer. Like he sees others doing, you see people smoking. And you start smoking as well. Tu vois les gens aller chez les marabouts, toi aussi tu vas chez les marabouts. You see people going to the witch doctor, you too go to the witch doctor. Tu fais comme le monde. You do like the world. Le train du monde. The ways of the world. Continue. Selon le prince de la puissance de l'air. Et le monde vit selon la volonté du diable. The world lives according to the will of the devil. Tous les païens accomplissent la volonté de Satan. All the pagans, the Gentiles, are doing the will of the devil. Ça, c'est très important. This is very important. Quand le diable dit, on veut tuer celui-ci, on le tue. Même si c'est ton fils. On dit, le diable dit, donne-moi ton fils. Tu donnes, il meurt. When the devil says, let's kill this one, even if it's your son, you just hand him over, and he dies. Dans des sectes, on te fait prendre des engagements. In the community, they make you take some commitments. Dans le fétichisme, on te fait prendre des engagements. In fetishism, people will lead you to have commitments. On t'envoie adorer l'eau, adorer le bois, adorer la pierre. They will ask les you moutons, to give poulets, water, donner store, l'argent, money.
Ce sont des liens d'esclavage. There are ties of slavery. Selon l'esprit du diable. According to the spirit of the devil. Prince de la puissance de l'air. The prince of the power of air. Tous ceux qui ne sont pas en Christ. All those who are not in Christ. Sont en Satan. Are in Satan. Volontairement ou involontairement. Willingly or not. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de. Il n'y a personne qui est au milieu. Qui n'a There is no neutral position. No one is in the midst. Tout le monde naît dans le péché. Everybody is born in sin. Donc en tant qu'un enfant du diable. As it means like a child of the devil. Parce que l'homme a péché contre Dieu. Because man has sinned against God. Et Dieu l'a livré. God has handed him over to the devil. Et l'a chassé du jardin. And has cast him out from the garden. Dieu a tracé la voie du retour. God has made the way for return. Tu peux revenir à Dieu. You can come back to God. Cela est possible. This is possible. Le chemin que Dieu a tracé. The way God has done. C'est Jésus de Nazareth. Is Jesus of Nazareth. Si Jésus est en toi. If Jesus is in you. Tu es béni. You are blessed. Tu as la vie. You have life. Et si le jugement arrive. And when the judgment will come. Tu iras dans le royaume. You will go in the kingdom. Tu vas vivre avec Dieu éternellement. You will live forever with God. C'est pour cette raison que Jésus disait. This is the reason why Jesus said. Je suis said, le chemin, la vérité the way, et la vie. The truth and life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can reach the Father without me. Les gens vivent sous l'oppression de l'esprit du diable. People are living under the oppression of the spirit of the devil. Continue. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi. Nous tous. All of us. Nous étions de leur nombre. Les enfants de Dieu peuvent parler de ça au passé. Children of God can talk about this in the past. Nous étions des pécheurs. We were sinners. Perdus, envoûtés. Lost and bewitched. Vivant sous le joug de l'oppression des hommes méchants. Living under the yoke of the oppression Satan, of a wicked man. Satan nous inspirait sa volonté. Satan was giving us his will. Il y a des gens qui disent, j'ai commencé ma masturbation, personne ne m'avait montré. There are people who say, I started masturbating myself, no one taught me before. Non, le diable t'avait montré. No, the devil taught you. Seulement comme tu ne le voyais pas, il était à côté de toi et tu dis, fais ça, fais ça, fais ça. It's only the fact that you could not see him. He was next to you, really? Telling you, do this and that. Écoute. Listen. Nous tous aussi. Nous tous aussi. All of us as well. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. We were like them. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous étions And comme les païens que vous voyez. We were like pagans, you can see. We used to live according to the desire, the evil desire of our flesh. Continue. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. Doing the desires of the flesh. L'inspirateur principal, c'est le diable. The principal inspirator was the devil. Il charge les émotions. He loads your emotions. Il charge la chair, les pensées. He loads your flesh of force. Il te donne des idées. He gives you ideas. Il dit, qu'est-ce que tu fais sur la terre? He tells you, what are you doing on earth? Les gens te méprisent. People are despising you. Prends une corde. Take a rope. Attache à ton cou. Bind it to your neck. Pends-toi. And hang yourself. Et meurs. And die. Donc si tu prends une corde, tu mets là, tu meurs. Et puis, on t'enterre. You take a rope, you put it here, and you die, and you are buried, and it's all. Qui t'a enseigné ça? Who taught you that? Satan. Satan. Tu étais sous son esprit. You were under his rule, his spirit. Il te dit, tue ton frère. He tells you, kill your brother. Comme ça, comme dans ton plat d'achéké, il n'y a qu'un seul morceau de viande. Si so tu le tues, tu vas manger le morceau toi seul. So that in your dish of si tu ne le tues pas, il va partager. There is only one piece of meat. If you kill him, you will eat it alone. Toi aussi, tu obéis, tu tues ton frère. You kill, you obey him, and you kill your brother. Tu manges le morceau de viande toi seul. You eat the piece of meat alone. Après, tu es misérable. After that, you are miserable.
Qui t'a enseigné ça? Who taught you that? C'est le diable. It's the devil. Le prince de la puissance de l'air. The prince of the power of air. Il peut donner les visions. Il peut donner les visions. He can give visions. Il peut te tromper. He can deceive you. Il peut te parler. He can talk to you. Il peut dire je suis Jésus. Achète, he can tell achète, you. Achète les bougies, les encens, allume-les. I am Jesus. Buy the incense and candles. C'est là, Jésus ne peut pas te dire d'acheter les bougies et les encens. Jesus cannot tell you to buy candles and incense. Lui-même est la lumière. Because himself is the light. Tu n'as pas besoin de bougies pour l'embrasser. You don't need candles to impress him. Qui te parle? Who is speaking to you? Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Reprends. Nous étions morts dans nos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. In which you lived in the past. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. According to the ways of this world. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. According to the prince of the power of air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est l'esprit de qui? Whose spirit is that? L'esprit de qui? Whose spirit? Satan. Satan. L'esprit qui agit. The spirit which is acting. L'esprit qui rend les gens rebelles. The spirit which makes people rebels. L'esprit qui crée la séduction. The spirit which creates deception. C'est l'esprit du diable. Is the spirit of the devil. Le monde. The world. Est une puissance. Is the power. Quand vous voyez le monde, c'est la communauté des gens sans Dieu. The world is the fellowship of people without God. Le vrai sens spirituel du mot le monde. The true spiritual significance of the word ça world. Ça ne désigne pas un lieu géographique. It does not. It is not about the geography. Ça indique la puissance. It's about the power. De la communauté des païens. Of the fellowship of the pagans. Des gens sans Dieu. People without God. Des gens qui créent leur manière d'être heureux. People who create. Ils inventent les choses. Their own ways to be happy. They invent things. Pour être heureux sans Dieu. To be happy without God. Ce sont ceux-là qu'on appelle les mondains. These are the ones which are called the worldly. Si tu dis à un vrai intellectuel, tu lui dis tu es mondain, il ne va pas te demander qu'est-ce que ça veut dire. If you tell a brother, a spiritual brother, you are a worldish man. Ce que ça veut dire, he que won't tu, ask you what tu, does it mean. Tu te prostitues, tu bois, tu. It means that you prostitute yourself. Tu you drink. Les boîtes de nuit. You are proud. You like nightclubs. You are a worldish man. L'église. The church. A été nommée, établie. Has been appointed and settled. Par Jésus Christ. By Jesus Christ. Pour détruire. To destroy. Les œuvres du diable. The works of the devil. Ça, on devrait acclamer. This we should have clapped. On n'écoute pas ça comme les orphelins. You do not listen to this like orphans. Ephésiens 3 verset 10. Ephesians 3 verse 10. Afin que les dominations et les autorités. Dieu veut que les dominations et les autorités. God wants that the dominions and authorities. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. In the heavenly places. Connaissent aujourd'hui par l'Église. Connaissent aujourd'hui par l'Église. Knows today through the church. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. The infinitely varied wisdom of God. Dieu utilise l'Église. God uses the church. C'est-à-dire toi et moi. It means you and I. Comme tu vois comment nous sommes faibles. You can see how we are weak. Mais Dieu nous utilise. But God uses us. Pour que les dominations, les autorités, so les that the dominions dans les lieux célestes, sur la terre même, dans les eaux, sur les eaux, connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. So that the dominions, the rulers, the wicked spirit on earth, under earth, in waters, in heaven, sommes. Knows the varied wisdom of God. Là où nous sommes. Where we are. Si je vous dis, frère, on va prier. If I tell you, brother, let's pray. Levons nos mains.
Let us lay our hands. Cassons les prisons, libérons les captifs. Let's break the prison and release the captives. Ça va se faire. That will happen. Ça, ça on ne plaisante pas avec. Je ne peux pas vous dire là, essayons de faire. Non. Soit on ne fait pas. We don't joke with that. I cannot joke and tell you, let's joke. Et quand do it or not. Quand on fait. And when we are doing. Et que les prisons s'écroulent. And that the prison collapses. Dans le monde invisible. In the invisible world. C'est là où le diable et ses grands chefs. The devil and his big chiefs. Se posent la question, qui a fait ça? Are asking themselves, who is doing that? Et on leur dit que c'est toi. And they tell him, it's you. Ils sont étonnés. They're amazed. Et les autres leur disent. And they always will tell them. Ne vous étonnez pas. Don't be amazed. Allons. Let us leave. C'est les enfants de Jésus. There are children of Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. Allons. Let us leave. Ils connaissent même la Bible. They even know the Bible. Ils disent, allons, je vais vous montrer ce qui se passe. Lis. They say, let's go. Après, I will 10. Show you what is happening. Afin que les dominations. Voici ce que leur maître dit. This is what the master tells them. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ils se disent entre eux, c'est ce qui nous arrive partout. The children will say, this is what is happening to us. Let us leave. Ce qui a commencé là ne va pas s'arrêter, partons. What has started will not end. La personne qui est derrière cela. The person who is behind these ones. Please, let's go. Et puis on appelle ça la délivrance. And we call it deliverance. La délivrance. Deliverance. Dès que tu entends partons ou je m'en vais, c'est as ça qu'on appelle hear, la délivrance. Tu es délivré. Let's go or I'm leaving. It means that you are delivered. This is deliverance. Le brisement des liens tient donc compte de cette autorité que nous avons. The breaking of ties take into account this authority that we have. Le brisement des liens tient compte du fait que Jésus nous a envoyés. The breaking of ties take into account the fact that Jesus sent us. Lis Jean chapitre 20 verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Encore. Again. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. Jesus tells them again. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. May the peace be with you. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. As the Father has sent me. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. I too send you. Le brisement des liens. The breaking of ties. Est basé sur l'exercice de l'autorité de l'Église. Is based on the exercising of the authority of the church. L'autorité que Jésus a donnée à l'Église. The authority that Jesus has given to the church. Le Père m'a envoyé. The Father has sent me. Pour proclamer l'Évangile. To proclaim the gospel. Pour libérer les captifs. To release the captives. Pour rendre libres les prisonniers. To release the prisoners. Le Père m'a envoyé. The Father has sent me. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal those who have the heart broken. Moi aussi broken. Je vous envoie. I too I send you. Comme le Père m'a envoyé. As the Father has sent me. Moi aussi je vous envoie. I am sending you as well. Jésus veut dire. Jesus wants to say. Vous m'avez vu. You have seen me. Comment j'ai travaillé. How I have worked. Proclamant la bonne nouvelle. Proclaiming the good news. Chassant les démons. Casting out demons. Guérissant les malades. Healing the disease. Purifiant les lépreux. Purifying the lepers. Faisant entendre les sourds. Making the deaf hear. Faisant voir les aveugles. And the blind see. Faisant du bien. Doing good. Aux hommes. To men. De ville en ville, de village en village. From town to town and from village moi to village. Aussi. I too. Moi, Jésus de Nazareth. Me, Jesus je of Nazareth. Je vous envoie. I send you. Tu vois, tu restes comme si tu n'as pas entendu. Je vous envoie. I am sending you. Comme le Père m'a envoyé. As the Father has sent me. Moi aussi je vous envoie. I too send you. Frère. Brothers. Faisons ce que Jésus a fait. Let us do what Jesus did. Personne ne peut nous bloquer. No one can block us. Il a dit. He has said, si vous déliez quelque chose. If you unwrap something.
La chose sera déliée. It will be like it. Il veut dire, prenez des décisions, je veux cautionner. He want to tell us, take decision, I will support you. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. The Bible said that Elijah was a man. Il était comme nous, of the same nature as us. Un jour même, il a eu peur. Even one day he was scared. De Jezabel. Of Jezabel. Mais. But. Élie a fermé le ciel. Elijah il a dit, closed the heaven. La pluie ne tombera point ici. He said, rain will not come. Sans ma parole. Without my word. Ça fait 3 ans et 6 mois. It took 3 years and 6 months. La parole de Dieu t'exhorte. The word of God que ce que Élie a fait là est petit. Telling you that what Elijah did is small. Ce que Dieu nous envoie faire dans le monde. What God is sending us to do in the world. C'est révolutionnaire. Is revolutionary. Avant, il y avait ici, là, il y avait des ordures. Before, in the past, il y avait la we have ici. Dust here. Là où tu es ici, là, il y avait la poubelle. We have the refuse here. C'est Jésus qui t'a fait t'asseoir là où tu es. It's Jesus who made you sit in where you are. Donc, ce ne sont pas des idées. So there are not ideas. Dieu a béni un peuple. God has blessed the people. Il a dit, allez dans le monde. And he told them, go in the world. Allez dans le monde. Go in the world. Quelqu'un m'avait dit, les gens ont dit qu'ils vont venir brûler. J'ai dit, mais qu'ils brûlent, ce n'est pas la paille. Ça, ce n'est pas la paille. Someone told me that people are about to come and burn this place. I said, let them do. It's not weed. Frère. Brother. Si quelqu'un veut être béni, if someone wants to be blessed, je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Qu'il te bénisse. Let him bless you. Si quelqu'un te bénit, if someone bless you, il sera béni. He will be blessed. C'est écrit. It's written. C'est ça l'œuvre de Jésus. This is Jesus' work. Tu dis, je brise le mauvais lien. You say, I break the evil ties qui existe entre moi et mon père. Existing between me and my father. Ce lien qui lui permet de me livrer. This tie, this link which allow him to hand me over. Pour devenir un grand politicien. To become a big politician. Un grand musicien. A big musician. Je brise ce lien. I break it. C'est fini. It's finished. Quand tu brises là, c'est brisé. When you break, it is broken. Merci Seigneur. Ces paroles sont si profondes, sont si puissantes. Seigneur, ces paroles sont tellement vraies, Seigneur. Nous sommes surpris. Nous sommes surpris, je suis surprise. Seigneur, de la dimension avec laquelle tu as élevé l'Église. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir parce que tu es grand, tu es élevé, tu es exalté, tu es puissant. Mais tu as choisi un peuple à qui tu as confié une tâche, à qui tu as confié une mission. Oh Seigneur, sois béni, sois béni. Et pendant que tu parles ce soir, accorde-nous, oh Dieu, de percevoir ce que tu es en train de dire. Oh Seigneur, déchire le voile pour que chacun réalise que tu l'as envoyé, tu l'as envoyé afin qu'il aille et qu'il fasse comme tu as fait, Seigneur. Oh Seigneur, que le voile se déchire. Oh Seigneur, que le voile se déchire. Oh Seigneur, que le mensonge du diable soit jugé. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, tu nous as révélé un grand ministère pour vous, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que ce sont des secrets, ce sont des choses que tu nous révèles pour que nous soyons heureux, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Oh notre Dieu, sois béni, Seigneur, sois exalté, notre Dieu, pour ton amour si grand pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette révélation qui brille dans mon cœur. Merci pour l'assurance qui s'est établie pour toujours. Tu t'es choisi une communauté, un peuple que tu peux envoyer accomplir tout ce que Jésus a accompli sur terre. Tu n'as pas laissé les hommes à eux-mêmes livrés aux ténèbres. Tu t'es fait un peuple et tu les as ouais, et tu nous as envoyés pour aller accomplir tout ce que
que Jésus accomplissait pendant qu'il était sur terre. Détruit les œuvres du diable. Mettre en ayant pièce avec l'autorité de Jésus l'œuvre de Satan. Seigneur, merci, merci, parce que tu nous envoies et nous allons répondre et nous répondons à ton envoi. Nous répondons à ton envoi. Nous répondons à ton envoi et nous recevons ton autorité. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, les dominations, les autorités n'ont pas encore vu. Ils verront et ils verront ce que tu as fait. Ils verront ta sagesse se manifester à travers des hommes en qui tu as déversé l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Ne tremble pas. Do not tremble. Ça ne vient pas de toi. It does not come from you. Ça vient du trône. It comes from the throne. Quand tu identifies les œuvres du diable, when you identify the works of the devil, à travers les hommes qu'on appelle les sorciers, men which are, whose are called, whom are called the witches, le remède, la méthode la plus efficace, the most efficient method, c'est l'exercice de l'autorité, is the exercising of authority, délier ce qu'il faut délier, to untie what should be done, liant ce qu'il faut lier, untie what should be tied, renversant ce qu'il faut renverser, overthrowing what should be overthrown. Lis 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 6. Second book of Corinthians chapter 10 verse 4 to 6. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. The weapons we fight with are not carnal. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. But these weapons are powerful by God's virtue. Pour renverser des forteresses. Les armes que nous utilisons renversent les forteresses. The weapons that we use overthrow strongholds. La sainteté, la prière, le jeûne, la foi. Holiness, le zèle, prayers, fasting. La connaissance de la parole de Dieu. Faith, zeal, the knowledge of God's word. L'intercession pour les saints. Intercession for the holy. C'est comme si tu t'amusais. It's like you are playing. Surtout même quand tu as sommeil. Mainly when you are sleeping. Quelqu'un peut venir et se moquer de toi, des regards. Someone can come and laugh at Mais you. C'est avec ça qu'on renverse le diable. But it is with this that we overthrow the devil. C'est avec ça. We overthrow. Lire. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. We overthrow the faux. Les philosophies, les pensées rebelles, des points pervers. Faults. Nous les renversons. We overthrow all of them. Tu dis au nom de Jésus. You say in the name of Jesus. Non, je vous dis. Vous êtes connectés. Acclamation. Clap. Alléluia. Amen. Là, il faut venir à tes voix en juin. Tu dis, je déclare que le monde ne vivra pas selon la pensée de telle personne. You say, I declare that the world will not live according to the thought of this one. Que cette pensée soit rejetée. And this thought should be rejected. Tu verras que quand tu arrives avec l'évangile, you will see that when you arrive with the gospel, la personne se convertit. The person is converted. Alors qu'on avait dit que celui-là, il aime les discussions. They said that this one like arguments. Tu renverses tout. You overthrow all of that. Tu le libères. And you release him. Il commence à servir Jésus-Christ. He starts serving Jesus Christ. Les armes viennent de Dieu. The weapons are from God. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. We overthrow any edge which stand against the knowledge of God. Si tu sens que tu es lourd, if you feel that you are loaded, tu parles, you are heavy. Tu n'entends pas. When God speaks to you, tu you don't hear. Au nom de Jésus, you say, in the name je renverse tout auteur any qui essaie de fermer le ciel au-dessus de moi. Au nom de Jésus, to close amen. The heaven upon me in the name of Jesus. Amen. C'est fini. It's finished. C'est comme ça qu'on règle ça. This is how we intercede. Tout auteur. Any hate. Ça veut dire que tout nom, toute chose, toute personne. It means any name, any
anything, any person qui veut m'empêcher de connaître Dieu, who wants to prevent me from knowing God, de prier, de lire, to pray, to read, de parler de Jésus, to talk about Jesus. Pourquoi? Why? Mon cœur bat-il tout quand je veux parler de Jésus? My heart is beating like this when I want to speak to Jesus. You say, my Lord, je te frappe. I strike you. Je te lis. And I tie you. And I leave you. I throw you in the abyss. Et tu prends ta Bible. And you take your Bible. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, je vais te parler de Jésus. You meet someone, you say, I want to talk to you about Jesus. Tu verras le résultat. You will see the results. Certaines personnes vont commencer à te chercher. Some people will start looking for you. Parce que la première fois, because the first time, le diable avait réussi à boucher les oreilles. The devil succeeded in closing the ears. Quand tu as fini d'évangéliser, when you finish your gospel, tu es rentré avec un cœur brisé. You go home with a broken heart. Tourmenté. Tormented. Par ce que tu as vu. By what you have seen. Et que tu as entendu. And heard. Et tu as prié. And you prayed. Et la prochaine fois. And next time. La même personne te dit, mais je t'appelle. The name, the same person will tell you, I call you, but you don't reply. Je dis, c'est vrai. Il dit, mais regarde ton cellulaire. You say, is that true? You say, watch your mobile. Jésus va le faire. Jesus will do it. Les armes que nous utilisons, the weapons that we use, ne sont pas charnelles. Are not for the flesh. Pour nous, la colère ne résout aucun problème. For us, anger does inutile not sort any issue colère. Out. Inutile de te mettre en colère. It's useless to get angry. Il y a une autre arme. There's another weapon. Le silence. Silence. Soyez lent à parler. Be very prompt à écouter. Be late to speak. Lent à se mettre en colère. Very late to be to get angry. Si quelqu'un t'insulte, if someone insults you, ne réponds pas. Don't reply. Ça là, c'est une bombe. This is a bomb. Tu restes calme. You remain calm. Tu ne t'agites même pas. You do not trouble yourself. On dit le calme prévient des grands péchés. They say that calm prevents from many sins. Tout ça, ce sont les armes de Dieu. These are all God's weapons. Tu dis à un païen que on veut le tuer, tu lui dis calme-toi. Non, il ne peut pas accepter ça. You tell a pagan who people want to kill you, tell him calm down. He cannot accept that. Mais Dieu te dit. But God tells calme. You. Be quiet. Et tu restes calme. And you remain calm. Tu gagnes la bataille. You win the battle. Dans le calme. In calm. Tu gagnes la bataille. You win the battle. L'exercice de l'autorité. The exercise of authority. Une démonstration de la puissance de Christ à travers l'Église et les membres de l'Église. Is a show up of Jesus' power through the church and the members of the church. C'est avec cette autorité qu'on déclare. It is with this authority that we declare que telle personne n'est plus le père de telle autre personne. That this person is no more the father of such one. Tu déclares. You declare it. Qu'à partir d'aujourd'hui. From today on, toi un tel, you, tu ne pourras plus faire prévaloir ton droit de père ou de mère. C'est fini. Jésus a changé l'identité de la personne. You will no more rule upon this one because you are his father, because Jesus has changed his identity. Et le sort que tu lui as lancé. And the spell that you have launched. Parce que tu étais son père ou sa mère. Allez, va avec. Because you were his father or mother, go and live with it. Ça là, on a déjà vu ça. We have already seen it. Où les démons prennent leur maladie, leur pauvreté pour fuir. Where the demons take their diseases and poverty and they flee. En laissant la place à la guérison. Ce n'est pas qu'il s'en va et tu es toujours malade. And they give the place to healing. It's not like they leave and you are still sick. Si tu as eu une vision. If you have a vision qui tarde à s'accomplir, which is being led to be si accomplished. Si tu laisses, c'est ta faute. If you leave it, it's your fault. Dans les desseins de Dieu, in God's purposes, il a dit que les gens qui intercèdent pour Jérusalem ne se donnent pas de repos de jour comme la nuit. He said, people who are interceding for Jerusalem should not rest night or day. Tu sais que Dieu t'a déjà béni. You know God has already blessed you. Et tu dors. And you are sleeping.
Non, ton travail. No, your work. C'est d'amener à l'existence. Is to bring to life. Pour la gloire de Dieu. For God's glory. Dans le psaume 149. In Psalm 149. Il est dit que nous sommes là pour exécuter les jugements de Dieu, tout ce que Dieu a déjà déclaré. It is said that we are there to execute God's judgment, all that God has already declared. Nous devons faire en sorte que ça se manifeste dans le monde ambiant. We must work so that we can see it in our visual life. Il faut que tu connaisses la différence entre un homme qui est exaucé you et must know the un homme qui n'est pas encore exaucé. Between a man who is answered and a man who is not yet. Si Dieu t'a dit, je t'exauce. If God has told you, I reply to you. Ne prie plus comme s'il ne t'a jamais dit, je t'exauce. Do not pray again as he has never told you that I grant you. La prière change d'orientation. Your prayer should orientation should be changed. Tu dis à Dieu, tu m'as dit que tu m'as exaucé. You tell God, you told me that you have granted me. Mais je ne veux pas saluer ça de loin comme les certains prophètes ont salué de loin. But I don't want to greet him from far as some prophet did. Tu dis à Dieu, je veux voir ça de mes yeux. I want to see it in my eyes right now. Tu as ce droit-là en tant que son enfant. You have his right as his child. Nous tous qui sommes ici là, nous devons voir à Tiekwa. All of us here should see à Tiekwa. Achevé. Finished. Ce n'est pas que tu es là à Tiekwa, Tiekwa, chaque jour, le sable et les feuilles. It is not like you are there. Et les petites bâches qui se déchirent. Always saying à Tiekwa, with sand and the small canopy we are being tearing off every day. Le renversement des principautés personnelles et familiales. The overthrowing of personal and family principalities. Vise une chose. Targets one thing. Être délivré. Be delivered de la malédiction divine. From the divine curse. Dieu maudit les gens qui pêchent contre lui. God curses people who sin against him. Et la malédiction de Dieu attire de grandes souffrances. And the curse of God attracts great sufferings. L'Isaïe disait dans l'Isaïe 26. In Isaiah 26. Il dit quand tu exerces tes jugements sur la terre. When you exercise your judgment on earth. Les nations apprennent ta justice. Nations call upon justice. Dieu frappe. God strikes. Dieu frappe. God strikes. De famine. Famine. De sécheresse. From droughts. D'épidémie. De catastrophes naturelles. Some natural catastrophes. Dieu peut envoyer le vent. God can send wind. Balayer tout ça, aller jeter à la lagune. Sweep all of this and go and throw it in the laguna. Dieu peut faire qu'il pleuve dans une ville pendant un mois. God can make that it rains in a town during one month. Il y a eu une année, il a plu ici, les immeubles entraient dans la terre. In a year, it rained here, and the houses were getting in the sand. Quand Dieu est fâché, when God is angry, il vous laisse entre les mains des démons. Il laisse les démons vous attaquer, vous maltraiter. He leaves you between the hands of demons. He let the demon attack you. Quand Dieu est en colère, when God is angry, il ordonne la destruction. He commands destruction. Il laisse les paludismes, les fièvres typhoïdes, même les petites maladies deviennent des grandes endémies dans ton corps. He allows malaria, typhoid, and a small disease become a great matter. Les démons viennent même habiter chez toi. Come and dwell in your house. Les esprits de mort habitent ton corps. The spirit of death dwell in you, in your body. Que faire? What should be done? Pour mettre fin à ça. To put an end to that. L'erreur. The mistake. Consiste à engager la bataille. Is to start a battle. Contre les esprits qui dominent sur toi. Against the spirit which are dominated on you. C'est une bataille que tu ne peux pas remporter.
It's a battle you cannot win. Pourquoi? Why? Parce que c'est Dieu. Because it's God. Qui donne la force à ton ennemi. Who gives strength to your enemy? C'est ça qu'on appelle la malédiction de Dieu. This is what is called the quand, curse quand of God. Dieu donne la puissance. When God gives the power. Au mauvais esprit. To the evil spirits. Au sorcier. To the witches. De te maltraiter. To ill-treat you. Parce qu'il t'avait aimé. Because he loved you. Et tu n'as pas tenu compte de ça. And you did not care about it. Parce que ton ancêtre. Because your ancestor. Tuer les gens, manger avec le foutu, pas même en sorcellerie, ils mangent, ils tuent les gars, ils mangent avec le foutu. You used to kill people and eat with fufu, not in witchcraft. Et Dieu a maudit, il l'a maudit avec toute sa descendance. And God has cursed him with all his descendants. Ton âme témoigne. Your soul testifies. Que le bonheur est loin de toi. That happiness is far Vous savez, from you. Les phénomènes se manifeste dans l'imagination, dans l'esprit. You know, phenomenon are shown in the imagination, in the tu mind. Tu peux sentir. You can feel que la grâce n'est pas avec toi. That the grace is not with you, the favor tu is not with sentir you. You can feel que toute ta personne énerve les gens. That all your person annoys people. Ça veut dire que tu n'es pas précédé par la grâce et la faveur de Dieu. It means that there is no God favor Ça before arrive you. Quand Dieu n'est pas content. It happens when God is not happy. Il retire sa faveur, il retire sa grâce. He takes back his favor, he takes back his grace. Tout le monde se moque de toi. Everybody is laughing at you. Pourquoi? Why? C'est la malédiction. It's curse. Dieu peut décider. God can decide. Qu'aucun membre de ta famille ne va se marier. That none person in your family will get Après, married. Le mariage est une union de gloire. Marriage is a union of glory. Il procure la joie, l'allégresse dans les familles. It brings joy in families. Quand une femme est mariée, elle est en sécurité. When a lady, a woman is married, she is in security. Quand elle n'est pas mariée, elle lui manque quelque chose. When she is not married, she is missing something. Dieu peut maudire en disant, comme vous voulez vous prostituer. God can curse, saying, as you want to prostitute yourself. Alors, il n'y aura aucun mariage. Then they will have no marriage. Vous allez rester dans la prostitution. You will remain in prostitution. Quand Dieu a parlé, when God has spoken, pour enlever ça, to remove it, qu'est-ce qu'il faut? What should be done? L'intercession. Intercession. L'intercession. Intercession. Le brisement des liens, the breaking of ties, c'est l'exercice de l'autorité. The exercise is the exercise of authority. Le renversement des principautés, the overthrow of principalities, c'est l'intercession. Is intercession. Puisque ça vient de Dieu, since it comes from tu God, dis à Dieu, ce que je vis, ce que je suis en train de vivre, you tell God what I am going through, vient de toi. Comes from you. Tu dis à Dieu, je te connais. You tell God, I know you. Tu n'es pas content. You are not happy. Quand Dieu est fâché, when God is angry, et qu'il laisse les problèmes t'assaillir, and he let troubles surround you, il n'y a qu'une seule solution. There's only one solution. Tu te repens. You repent. Tu demandes pardon. You beg his pardon. Tu demandes pardon. You beg his pardon. Quand la malédiction est familiale, when the curse is for your family, tu t'identifies à ta famille. You identify yourself to your family. La force de l'intercession, the strength of this intercession, c'est dans l'identification aux autres membres de ta famille. Tu it t'identifies in the identification to the other members of your family. Tu ne penses plus à toi seul. You don't think anymore to you alone. Tu dis à Dieu, you tell God, nous avons péché. You say, we have sinned. We. Tu dis à Dieu, j'ai entendu. You tell God, I have heard. Que nos ancêtres ont tué les gens. That our ancestors have killed people. Ils ont fait des guerres. They did wars. Ils ont versé beaucoup de sang. They poured lot of blood. Nous avons vu. We have seen. Et nous voyons la misère and qui en découle. And we can see the misery which come from it. Le malheur the est collé à nous. The misery is
stick to us, it's stuck to us. And it follows us everywhere. À l'école, au champ. At school, in the fields. Dans les affaires. In the business. Dans nos emplois. In our works. Tu parles à Dieu. You talk to God. Tu dis, nous sommes méprisés. You say we are despised. Tu dis, Dieu, oh Dieu. You say, oh God. Ta parole dit. Your word says. Que tu es bon. You are good. Tu fais pleuvoir sur le méchant. You make your rain come on the wicked and the righteous. Pardon. Please. Pardon. Please. Enlève cette malédiction. Remove this curse. Qui pèse sur nous. Which is a loading on us. Dieu demande, c'est Dieu qui demande ça. It's God who asks for that. C'est-à-dire, Dieu, dans son amour, il nous révèle le secret. Comment faire pour échapper à sa colère? It means that God in his love gave us the secret. He gave us the way to do and to escape his anger. Vous voyez comment Dieu est bon. You see how God is good. Lis pour nous Isaïe 59. Read for us Isaiah 59. Dès à partir du verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Vous voyez comment Dieu décrit une condition morale. You see how God describes the moral condition. Celui qui est juste, the one who is righteous. C'est celui-là même qu'on vient punir, on vient dépouiller. He is the one who is punished and deprived of everything. Les criminels se promènent librement. The criminals are wandering. Dieu n'aime pas cette situation-là. God does not like this situation. Et qu'est-ce qu'il arrive? L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le Seigneur voit qu'il n'y a pas de droiture, il n'y a plus de droiture. The Lord avant sees même il y en avait un peu, maintenant il n'y en a plus. The Lord sees that there is no righteousness. In the past they used to have a little, but now there is none. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu God est étonné. He's amazed que les gens voient leur souffrance. That people can see the sufferings. Les gens voient que tout devient pervers. They see that everything is becoming evil. Et personne n'intercède. But no one prays. Personne n'intercède. No one prays. Quand il n'y a personne qui intercède, when there is no one to pray, qu'est-ce que Dieu fait? What does God do? Alors son bras lui vient en aide. Son bras lui vient en aide. His hand comes at his rescue. Il se dit, bon, moi-même je vais vous détruire. He tells himself, c'est ça que ça veut dire. Myself, I will destroy you. Il y a le désordre partout. There are disorder everywhere. Et je ne vois personne qui intercède. And I see no one who is interceding, praying. Et qu'est-ce qu'il fait? Et sa, et sa justice lui sert d'appui. Sa justice lui sert d'appui. His righteousness is his support. Il va agir maintenant comme le Dieu de justice. He is now walking, acting like the God of justice. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. He wears the justice like a breastplate. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. He put on his head the helmet of salvation. Il veut aller en guerre. He wants to go on war. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il commence à rendre à chacun selon ses œuvres. He will give to everyone according selon ses œuvres. To his work. À chacun selon ses œuvres. To everyone according to his work. Qui agit, le diable ou Dieu? Who is acting, God or the devil? Il faut bien établir la différence entre le brisement des liens et le renversement des principautés. You must settle
very well. Quand Dieu est en colère, between the breaking of qu'il a commencé à frapper lui-même, and the overthrow of principalities, parce que les gens ne décèdent pas. When God is angry and he has started striking himself because people are not interceding. Regarde dans ta famille, regarde dans ta famille. Brother, please watch in your own family. Va à un baptême. Go to a baptism. Tu vois comment les gens se comportent. You will see how people behave. Dans leur adultère, la fornication, adultery, ils s'en foutent. Fornication. Les petits enfants, ils marchent là. There are there small kids walking. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous arrive? You ask yourself what is happening to you. Ils te tirent même, ils tirent le pantalon. Dieu dit, et personne n'intercède. And no one is praying. Certaines personnes, quand on dit ton enfant commet la fornication, il est content. Il est content parce que son enfant commet la fornication. Some people, when you tell them that their child is committing fornication, les they are happy. Les enfants blessent because les autres. Et his child vraiment, is committing fornication. Mon fils là, vraiment, il n'est pas calme. Et puis, ça lui dit rien. My children hurt always. They say this one, I don't know. Personne. They don't care. Dieu commence à frapper. No one. And God starts striking. Il y aura les pertes d'emploi. They have job loss. Ceux qui voulaient se vanter. Il y a des gens, ils se vantent 2 ans. Allez, pam, à terre. There are people who boast. And they are down. Écoutez, vous allez écouter. Moi, je suis un pasteur, je conseille des milliers de personnes. I am a pastor and I advise thousands of people. J'avais trouvé un emploi, ça allait bien. Après cela, pam! I had a job, it was doing going well and after that, down. Pourquoi? Why? Dieu n'est pas content. God is not happy. La réponse, the reply, c'est l'intercession. Is intercession. Quand tu as un problème, when you have a problem, partage avec un groupe de personnes. Share with a group of people. Intercéder. And pray. Le premier sujet de prière d'un intercesseur. The first topic of prayer of an intercessor. C'est oh Dieu. Is oh God. Pardon. Forgive. Le deuxième. The second. C'est ne détruis pas. Please don't destroy. Maintenant tu peux ajouter les autres mots. And later you can add the other words. Tu vois, Dieu dit, comme il n'y a pas d'intercesseur, je prends ma justice, je prends mon casque, je viens moi-même vous détruire. God says, as there is no intercessor, I take my righteousness, I take my helmet, and I come myself and kill you. Prends Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Lis le verset 30. Read verse 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je répandrai sur eux ma fureur. I'll spread on them my hunger. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je les consumerai par le feu de ma colère. I will burn them with the anger. The flame of anger. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. I will make the works fall upon their own head. Qui parle, le diable ou Dieu? We speaking God of the devil. Dit le Seigneur l'Éternel. Comme c'est Dieu qui est derrière ces problèmes. As it is God who is behind these troubles. Parce qu'il a vu l'injustice, la violence. Because he has seen injustice, la violence, pride. Et qu'il a cherché, il a cherché un être. Il dit au moins un. Il ne cherche même pas beaucoup. He said at least one. He is not even looking for many. He says only one. He did not found. Il dit. He says. Je veux. Dis le verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur. Sur eux ma fureur. I will spread on them my hunger. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je les consumerai par le feu de ma colère. I will burn them with the fire of my anger. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. I will make the works fall upon their head. Quand il y a la malédiction de Dieu.
When there is God cursed? Sur un homme ou sur un peuple? On a man or a people? La réponse the reply, de l'homme. The response of man. L'intercession suppliante. Is the pleading intercession. L'intercession suppliante. It is the pleading intercession. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh God, please. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh God, please. Pas pour toi-même. Not for yourself. Il dit, lis le verset 30. Read verse 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. En faveur du pays. In favor of the country. Beaucoup entrent dans la bataille. Many enter the battle. Pour renverser les principautés. To overthrow principalities. Mais très tôt. But very soon. Ils se concentrent sur eux-mêmes. They concentrate themselves. Ça devrait être pour le pays, c'est-à-dire pour toute la famille. It should be for the country. It means for the whole family. Parce qu'ici, il s'agit d'une famille. Because here it is about the family. Il y a des cas où l'intercession est pour la nation, pour une nation. There are cases where intercession is for the nation, for a nation. Et ça peut aller comme ça selon l'appel de chacun. And it can go according to the call of each one. Pour le pays. For the country. Toi, tu jeune. You are fasting. Tu pries. You pray. Mais tu es là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. But you are there. Seigneur, bénis-moi. God bless me. Bénis-moi. God bless me. God bless me. Moi, 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 moi. Me. Dieu dit. God says. Il dit, j'attends. Mais je cherche quelqu'un. I hear you. Qui but. Va prier pour tout le pays, tout le pays. I am looking for someone who is going to pray for the whole country. As soon as he finds, qu'il en trouve. As soon as he finds him, tu es exaucé. You are granted. Dieu est à la recherche des vrais intercesseurs. God is at the research of true intercessors. Qui ont une capacité d'abnégation exceptionnelle. Ils s'oublient. Who has the ability and an ability to deny themselves? Ils s'identifient aux autres. They forget themselves and identify themselves leur cœur, to others. Leur cœur est bon comme le cœur de Jésus. Their heart is good like the heart of Jesus. Ils peuvent supporter. They can bear que quelqu'un qui se moque d'eux that someone who laughs at them soit même le premier à être béni par leur prière. He is the first to be blessed through their prayers. Un intercesseur an ou une intercesseuse, and such a man or woman qui est célibataire, who is single, peut libérer des milliers de mariages avec can joie. Can release thousands of marriages with joy. Il sait très bien que ça c'est mon travail. He knows very well that this is my work. Il ne se fâche pas. But he is not angry. Il ne dit pas et moi et moi. Père éternellement et moi. Et moi-même, et moi-même. Si c'est comme ça, j'arrête. L'intercesseur est un homme sacrifié. He does not say, what about myself? So is that une offrande volontaire. An intercessor is a willing offering. Frère, les gens qui rendent témoignage là. People, brothers, people who give a testimony. Si on leur montre la chaîne. La chaîne de bataille et des ossements, ils vont devenir humbles. Et ils seront très reconnaissants envers les frères. If they show them the chain of the battles and the grantings, they will become humble and they will be very grateful toward the brothers. Le renversement des principautés. The overthrowing of principalities. Amen Dieu. Leads God. À chasser lui-même les ennemis qu'il a laissé t'attaquer. To chase out the devil, the enemies, he lets attack you. Il les chasse. He chases them out. Et il te restaure. Lis Joël chapitre. And he restores you. Lis Joël 2 verset 25 et 26. Read Joel 2 verse 25 to 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu,
qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, you see here, les gens souffrent. People are suffering. Lis d'abord le verset 12 de ce chapitre 2. Read verse 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Venez à moi de tout votre cœur. Come to me with all your heart. Avec des jeûnes. With fastings. Avec des pleurs. With tears. Avec des lamentations. With lamentations. Venez, c'est Dieu qui montre le chemin It's pour God être restauré. The way to be restored. Il est bon. He is good. Dieu ne veut pas qu'on soit détruit. Il te dit. God doesn't want us to be destroyed. Et commence à parler, prie. And he tells you, start fasting and start talking, start praying. Il te dit, supplie-moi, demande-moi de te pardonner. He says, plead me and ask me to forgive you. Continue. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu dit que votre repentance soit sincère. God says, let your repentance be sincere. Que ça vienne du cœur. It should come from your ça heart. Ça doit pas être superficiel. It should not be superficial. Ça doit pas être pour frapper les yeux des hommes. It should not be to be seen by men. Continue. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Il dit revenez, revenez à l'Éternel. He said, come back to the Lord. Continue. Car il est compatissant. Et miséricordieux. Car il est compatissant et miséricordieux. Revenez, revenez. Because he is compassionate. Ne soyez pas découragés. And merciful. Come back. Do not be discouraged. Ils ont de sérieux problèmes. Hein? They have les serious, attaques ici, les ennemis, les sauterelles qui détruisent les enemies, champs. Animals destroying the fields. Et la réponse à ces problèmes-là. And the reply to this problem. Dieu leur montre le chemin. God shows de délivrance. The way of deliverance to Allah them. Disant, jeûnez, he says, et go, prier, fast and pray. Et supplier. And plead. Continue. Lent à la colère et riche en bonté. Il dit, faites ça parce que nous savons qu'il est bon. He says, do that. Il est riche en bonté. Because we know that he is good. He is rich il peut in décider goodness. De ne plus, il peut décider d'abandonner sa colère. He can decide. Forget about his anger. Continue. Et il se repent des mots qu'il envoie. Et il arrive souvent qu'il décide de détruire. Après, il se repent. Il dit non. It c'est happens. Bon, j'arrête là. That sometimes he decides to destroy, but he repent and say, I stop there. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Alléluia. Amen. Il dit, c'est la voie is the way de la bénédiction. Of blessing. Si nous cherchons Dieu if we seek God, dans le jeûne, la prière, les supplications, in the fasting, the prayers and supplications, il peut décider de ne plus nous détruire. Il peut nous débloquer. He can unlock us. Il peut enlever les obstacles qui sont sur notre chemin. He can remove the obstacles which are on ça, our way. Ça c'est des exhortations pour this vous pousser à la bataille. Advice to lead us to the battle. Et la suite. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Maintenant retourne dans le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Si le peuple accepte de retourner, de revenir à Dieu. If the people accept to come back to God, Dieu va pardonner. God will forgive. Et Dieu va les restaurer. And God will restore them. En quoi faisant? By doing what? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vais remplacer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. I will replace all the years that the locust has destroyed. Le Shelek, le Hazil et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez? You see? Les gens voyaient les sauterelles. People could les see locusts. Les gazams et les hazils. And all the reptiles. Et ils se plaignaient. And they were complaining. Ça c'est quel malheur. What kind of curse is that? Et ils appellent les ingénieurs. And they called
pour venir combattre les engineers to come and fight against the plus locusts. Ils développent les techniques, ça se multiplie. The more they develop the techniques, the more it increase. Ils veulent montrer qu'ils ont été à l'école. They want to show that they have gone to school. Quelques secondes, toutes les plantations sont déjà détruites. Some seconds, all the plantations are already destroyed. Après, les gens commencent à crier à Dieu. And later on, people start crying to God. Crie à Dieu. They shout to God. Un intercesseur se lève. And an intercessor raises up. Il dit, Seigneur, je te connais. And says, God, I know you. Ça, c'est ta main. This is your hand. Ce n'est pas le diable. It's not the devil. Le diable ne peut pas faire de pareilles choses. The devil cannot do such thing. Ça là, this c'est toi qui fais ça. Is you who does it. Parce que tu es fâché. Because you are angry. Et c'est vrai. And it's true. Et tu as raison. You are true. Oh Dieu. Oh God. Arrête. Please stop. Ça va, nous serons exterminés, détruits. We will be destroyed. Même le petit reste qui chantait encore des louanges. Even the small rest which was still singing dis, praises. Oh, Père, oh, you say, Père, oh Father. Oh Père. Oh Father. Et Dieu est touché. And God is moved. Tu vois, il parle au sauteur de quitter. He will say and say, leave. Tu vois, para, para, para. You see them. Les sauterelles qui. Leaving. Qui avait envoyé? Who c'est sent Dieu them? Qui les avait envoyés. It was God who sent them. C'est Dieu qui les avait envoyés. It was God who sent them. Et puis ils s'en vont, tout reste calme. And they leave, everything stay calm. Mais il n'y a pas à manger. But there's no food. Et Dieu ordonne à la bénédiction. And God command blessing. De ramener le pain dans le pays. To take back bread in the country. C'est comme ça que Dieu travaille. This is how God works. La supplication est la clé dans le cas petition du renversement des principautés. The keys of the overthrowing of principalities. Et l'exercice de l'autorité spirituelle est la clé dans le cas des vous enfoutements. And the exercise of spiritual authority is the key in the case of bewitchment. Les œuvres du diable à travers les hommes. The works of the devil through men. Un homme qui te maudit. A man who curses you. Il dit, tu verras. He said, you will see. Tant que je suis là. As long as I'm there. Je verrai ce que tu vas devenir. I will see what you are going to become. Frère, il faut l'enlever. Brother, just remove him. Tu as le pouvoir. You have the power. De l'enlever de ton chemin. To remove him from your way. Dieu n'est pas injuste. God is not unrighteous. Dieu ne peut pas entendre un être humain comme God toi, cannot hear a human being qui dit que tu vas manger la poussière. Telling you that you will eat the dust. Ou alors si tu ne deviens pas son marchepied, tu n'es or rien. You don't become his footstool, you become nothing. Tu lèves seulement ta main. You just put dis, up your Père, hand. You say, Father, je ne veux pas qu'il meure. I don't want him to die. Mais qu'il quitte sur mon chemin. But leave him on my way. Dieu va envoyer l'ange le plus rapide. But God will send the quickest angel. Le saisir dans le bras et déposer quelque part. To grasp his hand and put him et somewhere. Remonter au ciel. Et il va remonter au ciel. And he will go back to heaven. Frère, brothers, ça marche, il faut faire ça. It works, do it. En 2018 ici. In 2018 here. Je marchais là. I walked here. J'ai reçu. And I received. Qu'il faut prier. That we should pray. Que si quelqu'un a juré avec imprécation ou sans imprécation. That if someone has sworn with words or not. Que tant qu'il est vivant. That as long as he's living. Nous ne pouvons rien devenir. We'll become nothing. J'ai reçu qu'il faut qu'on prie qu'il soit enlevé, ôté de notre chemin. I received that we should pray that God remove him from our ways. J'ai arrêté la prière, j'ai donné le sujet, je marchais là. I gave a topic, we were c'est walking here. C'est resté dans mon esprit. It remained in my mind. Parce que je recevais que c'est la première fois qu'on avait reçu un tel sujet de prière. Because I could notice that it was the first time that we have received this kind of prayer topic. On a prié mercredi. We prayed on Wednesday. Jeudi. Thursday. Une sœur m'appelle. A sister called me. Dit papa, on l'a enlevé. She said, Dad, they have removed him. Le DAF là, on l'a enlevé. The financial director dit, has been removed. Hier, quand on a prié hier, je savais que ça c'était mon sujet. When we prayed yesterday, I was aware that it was my own topic. Elle avait travaillé quelque part. She had worked somewhere. Elle a offert des prestations. She had some services. Et le directeur financier.
And the financial director a décidé qu'il ne paye pas les factures. That he will not pay the invoices. Il a dit, tant que je suis là, zéro. He said as long as I'm here, Alors nothing. On a prié ici mercredi. We prayed on Wednesday. Jeudi, on l'a enlevé. Thursday, he was fired. Je crois que c'était à 13h. Et on a placé les gendarmes devant ses bureaux. And gendarme was put before his office. Jésus ne joue pas, mon ami. Jesus does not joke, my friends. Quand c'est Dieu, when it is God, c'est les supplications. It's petitions. Quand c'est l'homme, when it's man, c'est l'exercice de l'autorité. It's the exercising of authority. Qu'il quitte de mon chemin. Let him leave my way. Tu peux aller plus loin. You can go further. Tu dis s'il utilise son poste. You say if he's using his position pour la méchanceté, for wickedness, que notre soit placé. Let so they appoint someone else on his position. L'intercesseur. The intercessor peut le faire. Can do so. Il y a des gens, on les nomme au lieu d'aller travailler, ils s'en vont bloquer les autres. There are people instead of going and work, they go and block others. On dit de donner des notes, ils donnent 0-1. They say they should give max to people. De te faire du mal. They give 0 or 1 just to do evil to you. Il fait des mauvais commentaires sur ton dossier. They does bad comments on your files. Éléments dangereux. Dangerous elements. Ne respecte pas l'autorité. Do not respect the authority. Il te bloque. Tu bouges un peu, demande explication. And he blocks you. Il charge ton dossier. You move a while, he gives you an explanation request. Si tu es devant Dieu, when you are before God, tu dis, Père, délivre-moi de l'oppresseur. You say, Lord, Father, deliver me from the oppressor. Que telle personne quitte ce poste-là. Let this person leave this position. Si tu connais les textes, tu récites à Dieu ce que ce poste doit faire chaque jour. And if you know the text, you always quote to God what this person should do. And you tell God, it's not what he's doing. Il faut l'enlever. Remove him. Il va quitter. And he will leave. Donc on a essayé ça. J'étais ici, mais... We tried it here. I was there. Ça a marché, ça a marché. And it works. Un jour, ça m'appelle. Pasteur, c'est fini, on m'a payé. Tu es où? Tu es au bureau? Je dis oui, j'arrive. One day, the sister called me and said, Pastor, I've been paid. Where are you? I replied, I'm in my office. She said, I'm coming. Parce que quand l'autre est venu, il lui a dit, je te paye toutes tes factures. Because when the new one came, he said, I will pay all your invoices. Ça veut dire que c'était un missionnaire. It means this one was a missionary. Dieu l'a envoyé résoudre le problème de la sœur. God has sent him to sort out the issues of the sister. Notre Dieu est vivant. Our God is living. Il est bon. He's good. Quand tu finis de faire le brisement des liens, when you finish the breaking of ties, la sagesse, the wisdom, recommande que tu fasses le renversement des principautés pour ta famille. The wisdom ça, recommends you to do the overthrowing of principalities. Là, c'est efficace. For your family, this is the evidence. Tu fais le brisement des liens propres. You do a very clean breaking of ties. On vérifie même si ça a marché. Tu rends compte de tous les songes après une semaine. We even check if it works. You can give accountant after 1 week. S'il y a des choses à reprendre, on reprend. If there are things to do again, we'll do it again. Après. Later. Si tu ne vois plus les réactions ennemies. If you cannot see the reactions of the enemy anymore, tu engages le renversement des principautés. You start the overthrowing of principalities. Et là, tu utilises ce livre. And there, you use this book comme ton guide. As your guide. Tu utilises ce livre. You use this book pour bien comprendre la doctrine. Tu utilises ce livre. To understand well the doctrine. Pour avoir certains sujets. To have some topics. Tu utilises celui qui est plus gros que celui-ci. You use the one who is bigger. Prière de combat pratique. Than this one. Practical prayers of battle. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut mettre ces choses en pratique.
Brother, put those things into practice. Ce sont des grandes révélations. There are great revelations. Quand la bataille est bien menée, when the battle is well led, tu seras heureux. You'll be blessed. Tu seras très heureux. You'll be happy. Même si tu l'as déjà acheté, achète-le. Even if you have already bought it, buy it again. Atekwa arrive. Atekwa is coming. Il faut même prier avant Atekwa. You must even pray before Atekwa. Parlons un peu d'Atekwa. Let us talk a while about Atekwa. Atekwa est fondé sur le combat spirituel. Atekwa is founded on spiritual warfare. Les intercessions pour nos familles, the intercessions for our sont families, portées par des frères toute la journée. Are borne by brothers toute la période de 40 jours. All the 40 days. Mais quand nous sommes à Atekwa, so when we are in Atekwa, c'est pour exercer l'autorité à un haut niveau. Is to exercise authority at a high level. Et pour gagner les âmes. And to win souls. De telle sorte que si tu ne pries pas pour ta famille quand tu es seul. So that if you don't pray for your family when you are alone. Si, et tu arrives à Atekwa. When you arrive in Atekwa. Tu entres seulement dans le combat. You just enter the battle. Et il n'est pas bon d'entrer dans le combat. And it's not good to enter the battle. Intercéder pour ta famille parce que la période est consacrée à l'intercession pour la famille. It's not good to enter the battle without interceding for your family because the period is dedicated to the intercession for our families. Dès que tu te réveilles. As soon as you wake up. Oh Dieu. Oh God. Exauce-nous. Grant us. Dès que tu te réveilles. As soon as you wake up. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Grant us. Exauce-nous. Grant us. Quand tu arrives à Atekwa. When you arrive in Atekwa. On gagne les âmes. We preach, we win souls. On commence le combat pour détruire. And we start the battle. Tout ce que le ennemi a semé dans nos vies. To destroy all that the enemies has sown in our lives. Et le combat spirituel, c'est le travail d'une église éveillée. And the spiritual battle, warfare, is the work of a revival church. Protégeant les frères, les portes ouvertes. Protecting brothers. Les portes, opening the doors jugeant, for the gospel. Jugeant les esprits des maladies. Judging the spirit behind the diseases. Commandant que les barrières s'écroulent. Commanding any barrier to collapse. Le diable travaille. The devil works. Nous aussi, nous travaillons. We too are working. Il bâtit, nous détruisons. Il bâtit, nous détruisons. He builds up, we destroy. Quand nous allons à Atekwa. When we go to Atekwa. Dieu nous ouvre les portes. God opens the door to us. Il dit, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? He says, my children, what do you want? Et la puissance de cette prière. And the power of this prayer. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Is the fullness of Holy Spirit. Pour recevoir même les sujets. To even receive the topics pour for prayers. Pour la plénitude du Saint-Esprit. You need to be filled with pour the Holy Spirit. Pour élever ces sujets. To raise up all those prayers. Au niveau individuel. In an individual level. Il faut la plénitude du Saint-Esprit. You need the fullness of the Holy Spirit. Frère, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Brother, if you are not filled with the Holy Spirit. Tu ne peux pas porter certains sujets. You cannot bear some topics. Tu vas trouver ça difficile. You will find them hard. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance pour voir loin. The Holy Spirit who gives the power to see far. C'est le Saint-Esprit qui donne les visions et les songes. Spirit who gives visions and dreams. Qui oriente les prières. Who guide the prayers, sorry. À Atekwa. In Atekwa. On chasse les démons. We cast out demons. On chasse les esprits de mort. We cast out the spirit of on death. On chasse la mort. We cast out death itself. On chasse la malédiction. We cast out curse. On exerce l'autorité. We on exercise supplie. Authority. On va d'un genre à l'autre. We go from a type to another one. Et on le fait pendant 40 jours. And we do it during 40 days.
Tenons-nous debout. Let us stand up. Dis Seigneur, merci. Say Lord, thank you. Parce que tu nous enseignes à prier. Because you are teaching us how to pray. À prier sans confusion. To pray without confusion. Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis oh Dieu. Say oh God. Fais de moi un intercesseur pour ma famille. Make me an intercessor for my family. Donne-moi cette capacité divine. Give me this divine ability. De m'oublier. To forget about myself. Pour m'identifier à la famille. And identify myself to my family. Afin de pouvoir intercéder. So that I may be able to intercede. Prions ensemble. Let's pray together.